Je voudrais moi aussi poser des questions, hein, et en poser à vous, et en poser à moi-même. Ce serait du genre, qu'est-ce que vous faites au juste, vous qui faites du cinéma? Et moi, qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela? Alors bien sûr, ça va mal chez vous, mais ça va très mal aussi chez moi. Et c'est pas seulement ça qu'on aurait à se dire. Ou bien, je pourrais poser la question autrement. Qu'est-ce que c'est avoir une idée au cinéma? Si l'on fait du cinéma ou si l'on veut faire du cinéma, qu'est-ce que c'est avoir une idée? Lorsqu'on dit, tiens, j'ai une idée. Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. C'est pas courant. Et d'autre part, avoir une idée, c'est pas quelque chose de général. On n'a pas une idée en général. Une idée, elle est déjà vouée. Tout comme celui qui a l'idée est déjà voué à tel ou tel domaine. Je veux dire que une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. Et inséparables du mode d'expression, si bien que je ne peux pas dire « j'ai une idée en général ». En fonction des techniques que je connais, je peux avoir une idée dans tel domaine, une idée en cinéma. Ou bien un autre, une idée en philosophie. Qu'est-ce qu'avoir une idée en quelque chose? Donc, je repars du fait, je fais de la philosophie, vous faites du cinéma. Alors ce serait trop facile de dire, ben oui, la philosophie, tout le monde sait qu'elle est prête à réfléchir sur n'importe quoi. Donc pourquoi elle ne réfléchirait pas sur le cinéma? Or, c'est une idée indigne. La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi. Elle n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Je dis, en traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sur, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. Je veux dire, les seuls gens capables effectivement de réfléchir sur le cinéma, ce sont les cinéastes, ou les critiques de cinéma, ou ceux qui aiment le cinéma. Ils n'ont absolument pas besoin de la philosophie pour réfléchir sur le cinéma. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse.
Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs, tout comme un cinéaste ne se dit pas, tiens, je vais faire tel film, il faut qu'il y ait une nécessité, sinon il n'y a rien du tout. Reste que cette nécessité, qui est une chose très complexe, si elle existe, elle fait qu'un philosophe, je sais au moins de quoi il s'occupe, il ne s'occupe pas de réfléchir, même sur le cinéma. Il se propose d'inventer, de créer des concepts. Je dis que je fais de la philosophie, c'est-à-dire j'essaie d'inventer des concepts. J'essaie pas de réfléchir sur autre chose. Si je dis, vous qui faites du cinéma, qu'est-ce que vous faites? Je prends une définition aussi puérile, donc accordez-la-moi, il y en a sûrement d'autres et de meilleurs. Je dirais, vous, ce que vous inventez, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas votre affaire. Ce que vous inventez, c'est ce qu'on pourrait appeler des blocs de mouvement duré. Si on fabrique un bloc de mouvement duré, peut-être que c'est que on fait du cinéma. Remarquez, il n'y a pas question d'invoquer une histoire ou de la récuser. Tout a une histoire. La philosophie aussi raconte des histoires. Elle raconte des histoires avec des concepts. Le cinéma, je pense, mettons, supposons qu'il raconte des histoires avec des blocs de mouvements durés. Je peux dire que la peinture invente. Elle, c'est un tout autre type de bloc. C'est ni des blocs de concepts, ni des blocs de mouvement duré, mais supposons que ce soit des blocs de lignes couleurs. La musique invente un autre type de bloc très très particulier. Bon. Mais je dis dans tout ça, la science, elle est non moins, vous savez, la science, elle est non moins créatrice. Hein. Je vois pas tellement d'opposition entre les sciences, les arts, tout ça. Si je demande à un savant qu'est-ce qu'il fait, lui aussi, il invente. Il découvre pas, hein, un savant. Ou du moins, la découverte, ça existe, mais ça fait partie. Mais c'est pas par là qu'on définit une activité scientifique en tant que telle. Un savant, il invente et il crée autant qu'un artiste. N'importe qui peut parler à n'importe qui, si un cinéaste peut parler à un homme de science, si un homme de science peut avoir quelque chose à dire à un philosophe et inversement, c'est dans la mesure où, et en fonction de leur activité créatrice à chacun. Non pas qu'il y ait lieu de parler de la création c'est plutôt quelque chose de très solitaire et de... Non pas qu'il y ait lieu de parler de la création, mais c'est au nom de ma création que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Et si j'alignais alors toutes ces disciplines qui se définissent par leur activité créatrice, si je les alignais, je dirais bien qu'il y a une limite qui leur est commune. Et la limite qui est commune à toutes ces séries, d'inventions, inventions de fonctions, inventions de blocs, du mouvement, inventions de concepts, etc. La série qui est commune à tout ça, hein, ou la limite de tout ça, c'est quoi? C'est l'espace-temps. Si bien que si toutes les disciplines communiquent, ensemble. C'est au niveau de ce qui ne se dégage jamais pour soi-même, mais qui est comme engagé dans toute discipline créatrice, à savoir la constitution des espaces-temps. Bresson, bon, c'est très connu, hein. Il y a rarement des espaces entiers chez Bresson. C'est des espaces qu'on peut appeler déconnectés. C'est-à-dire, il y a un coin, par exemple, le coin d'une cellule. Et puis on verra un autre coin, ou bien un endroit de la paroi, etc. Tout se passe comme si l'espace bressonien, à certains égards, se présentait comme une série de petits morceaux
dont la connexion n'est pas prédéterminée. Série de petits morceaux dont dès lors la connexion n'est pas prédéterminée. Il y a de très grands cinéastes qui emploient au contraire des espaces d'ensemble. Je ne dis pas que ce soit plus facile de manier un espace d'ensemble. Les espaces, il y en a tellement au cinéma. Mais je suppose que ça, c'est un type d'espace, sans doute. Il a été repris ensuite, il a servi d'une manière très créatrice à d'autres qui l'ont renouvelé par rapport à Bresson, mais je suppose que Bresson a été un des premiers à faire de l'espace avec des petits morceaux déconnectés, c'est-à-dire des petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée. Quand je disais de toute manière à la limite de toutes les tentatives de création, il y a des espaces dans Yaksa. Ben oui, c'est là que les blocs de dur et mouvement de Bresson vont tendre vers ce type d'espace, entre autres. La réponse, elle est donnée. Ces petits morceaux d'espace visuel dont la connexion n'est pas donnée d'avance. Par quoi voulez-vous qu'ils soient connectés sinon par la main? Et c'est pas de la théorie, ça, c'est pas de la philosophie. Ça se déduit pas comme ça, mais je dis le type d'espace de Bresson. Et la valorisation cinématographique de la main dans l'image sont évidemment liés. Je veux dire le raccordement des petits bouts d'espace bressonien, du fait même que ce sont des bouts, des morceaux déconnectés d'espace, ne peut être qu'un raccordement manuel. D'où l'exhaustion de la main dans tout le cinéma de Bresson. Bien, on pourrait continuer longtemps, parce que par là, le bloc d'étendu mouvement de Bresson recevrait donc, comme caractère propre à ce créateur, le caractère de cet espace, un caractère très particulier, le rôle de la main qui en sort tout droit. Il n'y a plus que la main qui puisse effectivement opérer des connexions d'une partie à l'autre de l'espace. Et Bresson est sans doute le plus grand cinéaste à avoir réintroduit dans le cinéma les valeurs tactiles, pas simplement. Parce qu'il sait prendre en image admirablement les mains, mais s'il sait prendre admirablement les mains en image, c'est parce qu'il a besoin des mains. Un créateur, c'est pas un être qui travaille pour le plaisir. Un créateur ne fait que ce dont il a absolument besoin. Avoir une idée en cinéma, encore une fois, c'est pas la même chose qu'avoir une idée ailleurs. Et pourtant, il y a des idées en cinéma qui pourraient valoir aussi dans d'autres disciplines. Il y a des idées en cinéma qui pourraient être d'excellentes idées en roman, mais elles n'auraient pas la même allure du tout. Et puis il y a des idées en cinéma qui ne peuvent être que cinématographiques. Ça n'empêche pas, même quand il s'agit d'idées en cinéma, qui pourraient avoir une valeur en roman, elles sont déjà engagées dans un processus cinématographique qui fait qu'elles sont vouées d'avance. Et ce que je dis compte beaucoup parce que c'est une manière de poser une question qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste a vraiment envie d'adapter, par exemple, un roman? S'il a envie d'adapter un roman, il me semble évident que c'est parce que il a des idées en cinéma qui résonnent avec ce que le roman présente comme des idées en roman, et que là se font souvent de très grandes rencontres. C'est très différent, je ne pose pas le problème du cinéaste qui adapte un roman notoirement médiocre.
Il peut avoir besoin du roman médiocre. Il en a besoin, ça n'exclut pas que le film soit génial. Je pose donc une question un peu différente, ce serait une question intéressante de traiter cela, mais moi je pose une question un peu différente, c'est lorsque le roman est un grand roman, lorsque et que se révèle cette espèce d'affinité où quelqu'un a en cinéma une idée qui correspond à ce qui était l'idée en roman. Un des plus beaux cas, c'est le cas de Kurosawa. Pourquoi est-ce que Kurosawa se trouve dans une espèce de familiarité avec Shakespeare et avec Dostoïevski? Pourquoi faut-il un Japonais pour être aussi en familiarité avec Shakespeare et Dostoïevski? Je vais vous dire, parce que il me semble, moi, je vous, c'est une réponse parmi mille autres possibles. Et elle touche aussi un peu la philosophie, je crois. Que chez les personnages de Dostoïevski, ça peut être un petit détail. Dans les personnages de Dostoïevski, il se passe une chose assez curieuse, très souvent. Généralement, ils sont très agités. Un personnage s'en va, descend dans la rue, tout ça, comme ça, et dit « Une telle, la femme que j'aime, Tania, Tania m'appelle au secours, j'y vais, je cours. Je cours, oui, Tania va mourir si je n'y vais pas. » Et il descend son escalier, et il rencontre mais un ami, ou bien il voit un chien écrasé. Et il oublie complètement. Il oublie complètement que Tania l'attend en train de mourir. Il se met à parler comme ça, et il croise un autre camarade, il va prendre le thé chez le camarade, et puis tout d'un coup il dit « Tania m'attend, il faut que j'y aille. » Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est... voilà. Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences. Et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent que il y a une question encore plus urgente. Ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête. Tout se passe comme si, dans la pire urgence, il y a le feu. Il y a le feu, il faut que je m'en aille. Je me disais, non, il y a quelque chose de plus urgent. Quelque chose de plus urgent, et je ne bougerai pas tant que je ne le saurai pas. C'est l'idiot. Ça, c'est l'idiot. C'est la formule de l'idiot. Ah, mais vous savez, non, il y a un problème plus profond. Quel problème? Je ne le vois pas bien, mais laissez-moi. Tout peut brûler. Si encore, non, il faut trouver ce problème plus urgent. Bon. C'est pas Dostoïevski que Kurosawa l'apprend. Tous les personnages de Kurosawa sont comme ça. Je dirais, voilà une rencontre, une belle rencontre. Si Kurosawa peut adapter Dostoïevski, c'est au moins parce qu'il peut dire « j'ai une affaire commune avec lui, j'ai un problème commun, ce problème-là ». Les personnages de Kurosawa, ils sont exactement dans la même situation. Ils sont pris dans des situations impossibles, ah oui, ah mais attention, il y a un problème plus urgent. Et il faut que je sache quel est ce problème. Peut-être que Vivre est un des films de Kurosawa qui va le plus loin dans ce sens, mais tous les films de Kurosawa vont dans ce sens. Les Sept Samouraïs, ça me frappe beaucoup, hein, parce que tout l'espace de Kurosawa en dépend. C'est forcé que ce soit une espèce d'espace ovale et qui est battu par la pluie, là, enfin, peu importe, ça nous prendrait trop de temps que là aussi on tomberait sur la limite de tout, qui est aussi un espace-temps.
mais dans les sept samouraïs, vous comprenez, ils ont pris la situation d'urgence, ils ont accepté de défendre le village, et d'un bout à l'autre, ils ont travaillé par une question plus profonde. Il y a une question plus profonde à travers tout ça. Et elle sera dite à la fin par le chef des samouraïs quand ils s'en vont. Qu'est-ce qu'un samouraï ? Qu'est-ce qu'un samouraï, non pas en général, mais qu'est-ce qu'un samouraï à cette époque-là ? À savoir, quelqu'un qui n'est plus bon à rien. Les seigneurs n'en ont plus besoin. Et les paysans vont bientôt savoir se défendre tout seuls. Et pendant tout le film, malgré l'urgence de la situation, les samouraïs sont hantés par cette question qui est digne de l'idiot, qui est une question d'idiot. Nous autres samouraïs, qu'est-ce que nous sommes ? Voilà. Je dirais, une idée en cinéma, c'est de ce type. Vous me direz non, puisque c'était aussi une idée en roman. Mais une idée en cinéma, c'est de ce type, une fois que elle est déjà engagée dans un processus cinématographique. Vous pouvez dire, là, j'ai une idée. Même si vous l'empruntez à Dostoïevski. Je dirais de même, je cite très vite, je crois qu'une idée, c'est très simple. Encore une fois, ce n'est pas un concept, ce n'est pas de la philosophie. Un concept, c'est autre chose. De toute idée, on peut peut-être tirer un concept, mais... Je pense à Minelli. Minelli, là, il me semble une idée extraordinaire sur le rêve. Elle est très simple, on peut la dire, et elle est engagée dans tout un processus cinématographique qui est l'œuvre de Minelli. Et la grande idée de Minelli sur le rêve, il me semble, c'est que le rêve concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas. Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Et pourquoi ça les concerne ? Parce que dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que les autres rêvent, c'est très dangereux. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres, même quand c'est la plus gracieuse jeune fille. Même quand c'est la plus gracieuse jeune fille, c'est une terrible dévorante, pas par son âme, mais par ses rêves. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Bon, ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Alors, vous comprenez, quand on a une idée comme ça, la question n'est vraiment pas de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. La question est de savoir si elle est importante, intéressante et si elle est belle. Et c'est la même chose en science, c'est la même chose en philosophie, vous savez. Ou bien je parlerai de, autre exemple, d'idée proprement cinématographique, de la fameuse dissociation, voire parler. Dans un cinéma relativement récent. Que ce soit, alors là aussi je prends les cas les plus connus, que ce soit Cyberberg, que ce soit les Straub, que ce soit Marguerite Duras. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Et en quoi c'est proprement cinématographique ? Ça c'est une idée cinématographique. Faire une disjonction du visuel et du sonore. Pourquoi ça ne peut pas se faire au théâtre ? Pourquoi ? Ça peut se faire, mais ce sera de l'appli. Alors là, si ça se fait au théâtre, sauf exception, à moins que le théâtre trouve des moyens de le faire, on pourra dire que le théâtre là applique du cinéma. Ce qui est pas mal forcément, mais c'est une idée tellement cinématographique assurer la disjonction du voir et du sonore et du parler. Du visuel et du sonore. Que ça, ça répondrait à l'idée qu'est-ce que, par exemple, avoir une idée cinématographique. Et
on sait en quoi ça consiste, je le dis à ma manière. Une voix parle de quelque chose. En même temps, donc, on parle de quelque chose. En même temps, on nous fait voir autre chose. Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. C'est très important, ça, ce troisième point. Vous sentez bien que c'est là que le théâtre ne pourrait pas suivre. Le théâtre pourrait assurer les deux premières propositions. On nous parle de quelque chose et on nous fait voir autre chose. Mais que ce dont on nous parle en même temps se mette sous ce qu'on nous fait voir, et c'est nécessaire, sinon les deux premières opérations, elles n'auraient aucun sens. Elles auraient guère d'intérêt. Si vous préférez, on peut dire, alors en termes plus... La parole s'élève dans l'air. La parole s'élève dans l'air en même temps que la terre qu'on voit, elle, s'enfonce de plus en plus. Ou plutôt en même temps que ce dont cette parole qui s'élève dans l'air nous parlait, cela dont elle nous parlait, s'enfonce sous la terre. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il n'y a que le cinéma qui puisse faire ça. Je ne dis pas qu'il doit le faire, hein? Qu'il l'ait fait, mettons, deux ou trois fois. Je peux dire simplement, c'était de grands cinéastes qui ont eu cette idée. Il ne s'agit pas de dire c'est ça qu'il faut faire, il faut rien faire. Il faut avoir des idées, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une idée cinématographique. Je dis c'est prodigieux parce que ça assure, au niveau du cinéma, une véritable transformation des éléments. Un cycle des grands éléments qui fait que du coup, le cinéma fait un grand écho avec, je ne sais pas, avec une physique qualitative des éléments. Ça fait une espèce de transformation. L'air, la terre et... l'eau, le feu, parce qu'il faudrait ajouter, on n'a pas le temps évidemment, on découvrirait le rôle des deux autres éléments, une grande circulation des éléments dans le cinéma. Une grande circulation des éléments dans le cinéma. Dans tout ce que je dis, en plus, ça ne supprime pas une histoire. Hein. L'histoire, elle est toujours là, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi l'histoire est-elle tellement intéressante, sinon parce qu'il y a tout ça derrière et avec. Or, oh, c'est tout à fait ce cycle tel que je viens de le définir si rapidement. La voix s'élève, en même temps que ce dont parle la voix s'enfouit sous la terre. Vous avez reconnu la plupart des films de Straub. Ah, et c'est le grand cycle des éléments chez les Straub. Mais... c'est très important ce circuit qui fait qu'il y a une sorte de beauté où en effet il y a perpétuellement disjonction de ce qu'on voit, puisque ce qu'on voit c'est uniquement la terre déserte, mais cette terre déserte elle est comme lourde de ce qu'il y a en dessous. Et vous me direz, mais ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'on en sait? Ben, c'est justement ce dont la voix nous parle. Et c'est comme si la terre là ça se gondolait de ce que la voix nous dit et qui vient prendre place sous la terre à son heure et en son lieu. Et si la terre et si la voix nous parlent de cadavres, c'est toute la lignée des cadavres qui vient prendre place sous la terre. Si bien qu'à ce moment-là, le moindre frémissement de vent sur la terre déserte, sur l'espace vide que vous avez sous les yeux, sur la terre déserte, etc., prend tout son sens. Le moindre creux dans cette terre, etc. Mais je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas.
Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. C'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire, ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait, puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, enfin je dis des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions, vous voulez, avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault, parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement, que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, et qu'il faudrait appeler, c'est Deleuze qui prononçait le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Deleuze. Deleuze proposait un nom très simple, de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle, qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ben ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile,
Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d'enfermement. Même l'école. Il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent. Ça se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que les patents, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que ça, l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir, ça n'impliquera plus forcément le regroupement d'écoliers dans un milieu d'enfermement. Ça pourra se faire tout à fait autrement, ça se fera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voudrez, et pas tant, ce serait des formes de contrôle. Voyez en quoi un contrôle, c'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute, que là vous enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir, des sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. Alors pourquoi je raconte tout ça avant? C'est parce que l'information, mettons que ce soit ça. L'information, bon, c'est le système contrôlé des mots d'ordre. Des mots d'ordre qui ont cours dans une société donnée. Qu'est-ce que l'art peut avoir à faire avec ça? Qu'est-ce que l'œuvre d'art? Vous me direz, allez, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors parlons pas d'œuvre d'art. Parlons, disons au moins qu'il y a de la contre-information. Par exemple, il y a des pays où, dans des conditions particulièrement dures et cruelles, des pays de très dure dictature, où il y a de la contre-information. Du temps d'Hitler, les juifs qui arrivaient d'Allemagne et qui étaient les premiers à nous apprendre qu'il y avait des camps d'extermination en Allemagne, ils faisaient de la contre-information. Ce qu'il faut constater, c'est que, il me semble, jamais la contre-information n'a suffi à faire quoi que ce soit. Aucune contre-information n'a jamais gêné Hitler. Non. Sauf dans un cas. Et quel est le cas? C'est là que c'est important. Ma seule réponse, ce serait la contre-information ne devient effectivement efficace que quand elle est. Et elle l'est par nature, donc c'est pas grave. Que quand elle est ou devient acte de résistance. Et l'acte de résistance, lui, n'est ni information, ni contre-information. La contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire. Avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit « C'est la seule chose qui résiste à la mort. » Je dis, revenons à mon truc tout à l'heure, au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Quand on fait de la philosophie, on invente des concepts
Je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Ben oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. Quelle manière mystérieuse, là, il nous faudrait peut-être, je ne sais pas, il nous faudrait une autre réflexion, une longue réflexion pour... Ce que je veux dire, c'est si vous me permettez de revenir à qu'est-ce qu'avoir une idée en cinéma ou qu'est-ce qu'avoir une idée cinématographique. Lorsque je vous disais, prenez le cas, par exemple, entre autres, des strobes, lorsqu'ils opèrent cette disjonction voix sonore, dans des conditions telles que, marquez l'idée, d'autres grands auteurs l'ont prise d'une autre manière. Je crois que chez les strobes, ils la prennent de la manière suivante, cette disjonction encore une fois, l'oie s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Elle s'élève et encore une fois, ce dont elle nous parle passe sous la terre nue, sous la terre déserte, que l'image visuelle était en train de nous montrer, image visuelle qui n'avait aucun rapport avec l'image sonore, ou qui n'avait aucun rapport direct avec l'image sonore. Bon. Or, quel est cet acte de parole qui s'élève dans l'air pendant que son objet passe sous la terre? Résistance. Acte de résistance. Et dans toute l'œuvre des Straubes, l'acte de parole est un acte de résistance. De Moïse au dernier Kafka, en passant par, je ne cite pas dans l'ordre, je ne sais pas l'ordre, un non réconcilié jusqu'à Bach. Rappelez-vous, l'acte de parole de Bach, c'est quoi? C'est sa musique. Et sa musique est acte de résistance. Acte de résistance contre quoi? C'est pas acte de résistance abstrait. C'est acte de résistance contre et de lutte active contre la répartition du profane et du sacré. Et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri, tout comme il y a un cri dans Moïse. Il y a un cri de Bach. Dehors, dehors. Allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. Ça, c'est l'acte de résistance. Or, quand les Straubes le mettent en valeur, ce cri, là, le cri de Bach, ou quand ils mettent en valeur le cri de la vieille schizophrénique, la vieille schizophrène, dans Non Réconcilié, tout ça, doit rendre compte de... Bon. En sens, l'acte de résistance, il me semble, a deux faces. Il est humain et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à la mort. Soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art? Le rapport le plus étroit, pour moi le plus mystérieux,
exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait, vous savez, le peuple manque. Le peuple manque, mais en même temps il manque pas. Le peuple manque, ça veut dire que n'est pas clair et ne sera jamais clair. Cette affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et un peuple qui n'existe pas encore. Alors enfin, oh ben non, il est très... Eh bien voilà, je suis profondément heureux de votre très grande gentillesse à m'avoir écouté. Et je vous remercie beaucoup.